Ok. Et t'es venu faire quoi ici à Los Santos? Je suis venu ouvrir une salle de boxe pour devenir boxeur pro, tu vois. Ouah, c'est stylé ça. Quoi, t'as déjà boxé depuis que t'es petit, c'est ça? En fait, je fais beaucoup de prison et je me suis juré de devenir quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Et d'arrêter de faire de la merde. Ouais, tu Donc, une sorte de chemin de la rédemption. exactement. Parce que j'ai une mère, tu vois. Faut que je la mette à l'abri, faut que j'y achète une villa, faut qu'elle roule en foraine, tu vois. Ouais, c'est important de prendre soin de ceux qui nous ont pendus, comme on dit. C'est ça, donc j'ai débarqué à Los Santos pour ouvrir une petite salle de boxe et pourquoi pas devenir boxeur pro, tu vois. En entraînant des gens, si je repère des pépites, en faire des boxeurs professionnels aussi, comme ça on fera des combats avec public et tout et tout. À de l'oseille à mort. Ah ben c'est stylé ça, et tu vas ouvrir ça où? Il y a une salle de boxe entre les quartiers là, je vais essayer de démarcher celle-là vers le gouverneur. Ah ouais, bah carrément, comme ça tu vas pouvoir organiser une ligue, etc. Ligue. Ouais, carrément, tu fais une genre de ligue. Tu vois, Qui c'est qui me concurrencerait aussi? avec des combats un peu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu vois. Des classements. Ouais, c'est pas con ça, c'est pas con. Ouais, Par ça pourrait faire être une stylé. ligue, les meilleurs ils montent en ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Les plus nuls ils restent en ligue B. Ouais, tu peux même faire genre poids moche, tu vois, poids moyen, poids lourd. Ah, ça c'est une putain de bonne Coucou idée. Nikki! C'est une putain de bonne idée, j'en prends note. Ouais, Je fais vas-y. ça. D'ici quelques temps, si jamais tu cherches du taf, on va sûrement commencer une grosse campagne de recrutement ici aussi. Pourquoi? Pour taffer dans ce garage là? Ouais, je sais pas si t'as un peu d'expérience ou quoi là-dedans, mais si jamais tu galères, tu vois, on peut te former. Bah écoute, je vais refuser Salut directement, Yas! hein. Je vais pas te donner la raison du pourquoi, mais d'auto-occupation, tu vois ce que je veux dire. Oh ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, comme tu veux, si jamais. Ouais, mais y a pas de souci. Par contre, ça m'embête vraiment d'avoir les jambes toutes blanches là. Alors, bah, c'est pas normal là. J'ai eu mis trop de crème ce matin, je Ouais, vais changer de je short, pense que je oui. parie. On reste au soleil quelque temps. Ouais. Comment ça va? Salut Niki, salut Yas. Comment vous allez? Ouais, on pourrait se faire ouvrir là, mais sinon j'ai déjà pas mal de stock à l'intérieur, tu vois. T'as qu'une tête. À moi que tu parles. Ah. J'étais en train de faire un peu de comptabilité. Là, je t'envoie le truc que tu veux. Quoi, t'as peur de ma tête? T'aimes pas ma tête? Qu'est-ce que t'as Ah, avec si, ma elle était tête? magnifique. Je disais, en fait, ouais, on n'a pas vraiment besoin, tu vois. En fait, Si, j'ai un parce que petit même local quand. derrière. Petit local. Ouais, je peux mettre 1500 sous-titres dedans, tu vois. Ah ouais, carré. D'ailleurs, attends, je vais regarder si je peux te donner les Même clés, pour tiens. nous, hein, en soi, t'as pas. Ouais, le garage top, 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 top. Ça refait du RP de ouf pour le garage. Là, c'est 10 fois mieux. Que moi. Je peux pas, il n'y a qu'une clé, c'est une clé unique. Ok, boy. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va faire comme avant, tu vois. Vous séparez la thune, vous me la donnez, moi je la dépose ici. Et sinon, vous la foutez au QG si je suis pas là. Tu sais, quand quelques clients. Et déjà plus qu'en une journée au garage, quasiment. C'est ça. T'as fait combien toi? Il t'a donné combien? 800 balles. Ok. Vas-y, je peux me les donner, je vais les déposer dans le coffre. Ouais, c'est cool. Moi, ça va bien, les gars, merci. Si j'ai pas envie. T'es pas envie, je te vire et je te poursuis. En Ouais, juste. c'est cela, ouais. Ouais. Sois déjà content que je t'engage avec ton passé là. Hein? Hein? Ouais. Tiens, je l'ai mis au sol parce que il me dit des trucs bizarres là. Hein. T'as capté quoi, hein. Tiens, c'est là. Je l'ai déposé sur le bureau. Merde, j'ai pas regardé combien j'avais. Tac!
Mais. Ah, ok, d'accord, j'ai compris, c'est la galère. Il faut que je mette tout mon fric là sur l'autre. Bah oui, c'est ça, comme ça, il y a Custom Garage dans le nord, Custom Garage dans le sud. Les gens sont contents, tu vois. Voilà, j'espère juste que l'argent du coffre va pas s'envoler ou quoi, venir nous le voler. Yo, comment ça va, Xenia? Du coup, vous venez d'ouvrir tout de suite, là? Ouais, ça fait déjà un petit moment qu'on est ouvert, tu vois. Ça fait un mois qu'on était ouvert dans le sud de la ville, côté Neubuch, à l'est. Et, justement, le garage était assez insalubre, tu vois. Ça a commencé à coûter trop cher à rénover, donc on l'a fermé et on a ouvert ici. Yeah. Vous allez faire quoi ici? Des customisations, c'est ça? Non, réparation, nettoyage et custom esthétique, c'est ça, ouais. Okay. Ouais, les perfs, on fait juste pas. Pas les perfs, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Beniz, eux, ils vont faire quoi du coup? Ils vont avoir un truc d'enlever ou ils vont tout faire comme ça? Non, Beniz, ils font toutes les perfs et ils ont les intérieurs aussi des véhicules et le nacrage, je crois. Ils ont pas. Ils peuvent pas customiser. Si, ils peuvent aussi, tu vois, si. Si jamais on n'est pas là, je crois, je sais pas, il faut encore que je le vois pour qu'on s'accorde. Ok, ok. Ça va, merci Xenia. Ouais. Ça se passe là, comme d'hab. Écoute, toi, c'est toi, Denzel. Ouais, c'est ça, c'est Denzel. Toi, c'est quoi ton blast? Issa, ok, vas-y, t'as un numéro, tiens, si un jour j'ai envie de faire un peu de boxe. Ouais, bien sûr. Plus le club de boxe, il va s'appeler comment? Il va s'appeler Pro Boxing. Ah, ok. Que les initiales de Pro Boxing, ça te parle? Vas-y, je t'écoute. 555 28 49. Vas-y, je vais t'envoyer un petit message. Carré. Putain, je l'ai mis où? Ah, mais je suis con, hein, c'est pas ordre alphabétique à chaque fois aussi. Hein. Ouais, j'ai reçu une. Voilà. Oui, c'est long, attendre encore 14 semaines d'attente. Oh, ça va vite. Hein. Salut Border 4, comment ça va? Bah, tu m'as dit quoi? Les initiales de Pro Boxing, est-ce que ça te parle? Les initiales de Pro Boxing, attends. Non, que dalle en fait, je sais pas pourquoi je cherche. Papa, PB. Non. Qui blinder. Voilà, comme ça tu sais un peu pourquoi j'ai refusé ton boulot, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok, ouais. Je vois. Voilà. Vu que je sais que toi et mon boss vous entendez bien, ben voilà, je veux pas cacher mon identité, tu vois ce que je veux dire. Ok, je vois mieux. La compta elle est faite. Vas-y, c'est carré ça. Y a plus qu'à noter, j'ai fait ça très très basique, tu vois, comme ça les gens ils se prennent pas la tête. Je mettrai le nom de la personne, ce qu'ils ont fait, le prix et le nom du mécano, tu as vu. Ok, c'est parfait. Là, il y a une de tous les serveurs. Bah ouais, c'est ça la base. Hein. Ouais, ok, c'est bon à savoir, donc on va se voir souvent alors. Ouais, après quand on se verra, vous savez comment on est, hein. Habillé classe et tout. Là, je suis en mode. C'est là, tranquille. Mais ça va, t'as pris un peu de couleur sur les jambes, là, c'est déjà mieux. Ouais, non, j'avais mis trop de crème solaire, j'avais les jambes toutes blanches, là, j'ai tout enlevé. Ouais, tu vois, il faut pas foutre la moitié de la bouteille, tu vois, tu mets un petit peu dans ta main, t'étales, quoi. C'est clair, laisse tomber sinon. Une toute blanche. Ouais. Ah, tu vois, ici, on est pas mal situé, il y a la banque devant, il y a le petit garage d'occasion. C'est ce que je regarde, c'est le garage d'occasion en face, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le Nicolou Auto, c'est ça? Ouais, c'est le garage d'occasion, ouais. Le Nicolou, c'est les hérissons, c'est ce qui. Comment ça va, Border? Pas beaucoup en Europe. Ouais, moi j'ai beaucoup de trucs à vendre aussi, là, justement, donc je vais aller voir un peu tout à l'heure quand ils vont ouvrir. T'as quoi à vendre, par exemple?
Ouais, disons que j'aimerais bien me séparer de mes yogas. Yoga avant, putain, mais j'aurais su, mec, j'ai acheté celui-là hier, là, je l'aurais pris et je t'en aurais pris un. Ouais, j'ai encore des rat bikes aussi à vendre. C'est quoi, c'est le genre de moto qu'il y a là? C'est les motos à rénover là, tu vois, tout rouillé. C'est Moto de ok. base, tu vois, c'est genre à la revente, c'est 1 000 $ quoi. Perso, moi je préfère la cross ou la moto de course, tu vois. Ouais, nous c'est plutôt moto de route, tu vois. Ouais, après tous les goûts sont de... Mais est-ce que vous êtes des bikers, c'est Bon, ça ça va là? bien, merci, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va Ouais, je super vois. bien, merci. Je suis en mode New World jusque demain, lol. Après, il faudra en attendre encore jusqu'au Du 28 coup, pour avoir le. Bah, j'essaierai peut-être New il y World. a combien de groupes de bikers là? Il y a des bikers à Vinewood et il y en a à Paléto, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. D'après mes infos et ceux que j'ai rencontrés, il y a les Son of Anarchy dans le nord. Il y a les Devils à Vinewood. Il y a nous un peu plus loin, vers Son of Mirror. Anarchy, c'est connu ça. Ah, il y en a aussi, il y en a des quatrièmes. Ouais, non. Il y a nous, Devils et Sons. Ok. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'histoire ou quoi que ce soit. Mais bon, tu Non. connais, ça ne saurait tarder. C'est ça, c'est ça. Et baston de biker, c'est connu dans le monde entier. Hein. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, tu vois, disons Un que. peu comme des gangrévaux, on va dire. Ouais, on les laisse un peu prendre leur marque avant de leur taper sur la gueule. Ah, mais tu C'est vois, bien ça se fait ça. toujours dans le respect, hein. Chaque fois. Souvent, quand on se voit, on se marave un peu la tronche, mais. On sait très bien Bon, moi, je... on a les mêmes passions, tu vois. Et les C'est mêmes. normal, moi c'est comme moi hier avec des Crips là, j'ai fait des petits contrats, tu vois, j'ai couché deux de leurs mecs, après ils m'ont tous sauté dessus, tu vois. Quand je parle à leur audio en leur disant qui j'étais, que voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est. Voilà, c'est. Faut pas non plus abuser, tu vois. 10 sur un mec, c'est chaud quoi. Ah, ils ont voulu peut-être tester ta résistance, hein. Ah non, après, c'est surtout qu'il y a un mec qui a essayé de me faire les poches, tu vois. Et là, c'est pas passé, tu vois. Ah, Je lui ai heureusement qu'il dit, a fait que tiens. tes poches, c'est pas ton cul. Oh, ouais. Ça Après, si aurait été plus personne ne me fait les délicat, hein. poches, Fais tu vois. gaffe, tu connais, hein, dans les tiercars comme ça, les caves. Il y en a qui ont essayé en prison, tu vois. Ouais. Là, ils ont eu des Y en a qui ont problèmes. essayé, c'est. Bon, après, on se défend, c'est. Je suis pas Superman non plus, mais voilà. Ouais, c'est Ce clair que qui quand se il passe. s'agit de ton cul, tu t'attrapes une force surhumaine. Ça, c'est ça, c'est on se transforme, laisse tomber, et mon trou de sortie, ça restera mon trou de sortie, et pas l'inverse. Et il dit à DJ. Ah, c'est un peu calme là. Ouais, c'est tranquille, tout à l'heure, j'étais à la salle de boxe, j'étais un peu m'échauffé. Bon, je vais aller faire un petit tour à la plage, faire un petit footing, après. Après Ouais, la c'est journée important de tranquille, garder on est encore dans le la. soir, c'est le Faut soir garder la forme. que ça L'humour bouge. délicat de Denzel Mia. Ouais, toujours, moi. J'ai vraiment une délicatesse. Après, si Ah je veux devenir boxeur pro, ouais, faut que je garde la forme. ouais. Ouais, c'est ça. Faut que t'aies une hygiène de vie irréprochable. Faut que tu bouffes à mort des œufs et du poulet. Ça, c'est ça, riz de poulet, œuf et de la Ouais. protéine. C'est ça, fromage blanc. Putain, Ah! mais les coyotes C'est là, ils Will. me font Ouais, mais non, flipper, mais celui-là, moi. il a apprivoisé. C'est mon coyote, il s'appelle Will. Ouais, ben, tu feras gaffe à Will, parce qu'il y en a, ils vont lui shooter dedans, il y en a qui n'ont pas peur, tu vois, moi, c'est la première fois que je vois un coyote, donc Oh, pour mais ça, Trinca, c'est de toute flippé, façon, tu vois. Will, il est résistant. Il arrête pas de se faire péter la gueule. Il tombe des falaises, tu vois, et chaque fois, il revient. Ok. Ouais. Toujours en train d'essayer de courir après les oiseaux. Ça va, la chaleur ici, il fait pas trop trop chaud. Non, ça va. Puis regarde, on est à l'ombre ici un petit peu là avec le truc. Puis moi, de toute Ah, façon, la chaleur, je kiffe ça. le soleil qui me tape dans le dos, là, je commence à avoir le dos qui chauffe, je vais me mettre à l'ombre. Vas-y, vas-y. Si tu veux à l'intérieur, j'ai une petite ombrelle, tu veux te balader avec? Non, ça ira. Ah. C'est vrai que regarde, c'est un peu sec, il y a des cactus et tout, c'est vraiment. Ça commence à être désertique, tu vois. C'est ça, Bon, il y a c'est ça, Bordeaux. un gros changement entre la ville et ici, quoi. Ouais, tu vois, mais c'est pas plus mal, tu vois. Nous, on habite en ville, tu vois, et quand on vient travailler ici, bah, ça nous change un peu. On respire un peu l'air, il est un peu moins pollué. C'est bien, en plus, quand le soleil tape sur la peau, ça. La peau, elle s'endurcit, enfin, ça la purifie, on va dire. C'est comme l'eau de mer, l'eau salée, ça purifie un peu la peau, tu vois. Ouais.
Je sais pas trop, je suis pas un expert en eau salée et en peau. L'eau salée, ça, ouais, ça, sur la peau, ça fait. Je sais pas ce qu'il raconte. Ça la purifie, quoi. Ça, si t'as un peu des boutons dans le dos, tu te nages dans la mer, on va dire, 2 semaines, tu vois. Tu pars en vacances, tu vas tous les jours à la mer pendant 2 semaines, tu reviens, ta peau, elle est nickel. Ah, je savais pas que t'étais esthéticienne aussi, c'est, t'as plein de cordes à ton arc. Mais ça, c'est connu, ça, c'est connu, ça. Je sais pas, moi, connu, je prends jamais soin de ma peau que dalle, tu vois, moi, c'est voilà. C'est pas un truc d'Einstein, là, c'est très connu, ça. Ouais, bah, tu vois, je connaissais pas, je me suis pas trop renseigné sur les peaux. À mon avis, dans la nature, ça doit être pareil, tu vois, c'est, si tu respires la mer, bah, tu te sens bien. Nous, on a l'habitude de respirer la pollution, tu vois, je sais pas ce qu'il dit notre corps, mais il doit pas être content, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Faut se purifier de temps en temps, tu vois, les trucs, moi, je fais du vaudou pour me purifier. Perso, je me purifie au shit gras, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais fais gaffe, gras, ça, collant, là. Ça va commencer à restreindre tes réflexes quand t'es sur le ring. Ouais, ouais, ça c'est... Mais après, ça c'est... Moi, je suis né avec et je mourrai avec, je pense, tu vois. Ouais. Moi, je me réveille, je fume mon joint de shit Viagra, de la bonne wax. T'as dit quoi, ton joint de Viagra? De shit bien gras. Bien. Ah, j'avais compris, ouais, je fume mon bédo de Viagra, je me suis dit putain, c'est quoi le délire? Toute la journée, il est foncedé, mais il a la gaule. Des fois, ça peut m'arriver de prendre du Viagra, hein, tu sais, quand elle veut plus monter la petite. Ouais, ça va, je suis pas encore à ce stade-là, je suis pas encore assez vieux, je crois. Ouais, des fois, je suis trop défoncé, moi je rentre, j'arrive même plus à baiser la pétasse, je suis obligé de prendre une pilule. Ah ouais, mais ça, c'est à cause de la défense, tu vois. Ouais, c'est le shit et c'est la codéine aussi, je suis accro, tu vois. Ah putain, pour un sportif, t'en as des addictions. Mais non, mais laisse tomber là, moi je suis drogué. Ah ben c'est la crème solaire, c'est ça. C'est dur de fou, tu vois ce que je veux dire, c'est... Enfin, la codéine, c'est vrai que c'est dangereux quand même. Ouais, ouais, c'est... J'aurais même pas à te dire ce que c'est, j'y connais que dalle. Ça, je prends mes doses tranquille, j'en abuse pas, j'ai pas envie de finir comme Lil Pete. Ouais, c'est qui Lil Pete? Bip, c'est un mec qui... C'est le frère de Bull, non? Qui Bull? Ouais. Bull? Ouais. Le frère de Bull, Lil Peep, comme une pipe, quoi. Ah, comme une pipe, Lil Peep, oh, ok. Ça, Lil Peep, P-E-E-P. C'est quoi, c'est un genre de gars qui vient et qui taille des petites pipes, c'est ça? C'était un chanteur, et il est mort de la drogue, tu vois. Ouais, il est mort en s'étouffant en faisant une pipe. C'est ça. Ah, c'est triste. Sale histoire pour Lil Peep. Non, lui, il a vécu une sale histoire. Il y a plein de rappeurs connus. Fin... Et quoi, quand les gens le voyaient, ils criaient tous Hippie Peep, hurrah. Oh merde, ça c'était la vanne de trop. Moi, ah non, c'était le summum, tu vois. C'est le clou qu'on enfonce. Je crois qu'il appelle le bénisse, t'as qu'à lui dire de venir ici, non? Ben ouais, carrément, je vais lui dire là. Attends, je me prépare. Je leur envoie des ondes. T'as pas Twitter? Si, j'ai Twitter, mais je suis pas fan de cette connerie. Moi aussi, je suis pas fan, mais j'ai appris que, tu vois, si je veux faire un peu de pub pour la salle de boxe, il va falloir que je m'y mette sur ce réseau à la con. Ah, attends. Ça tombe bien, le Jeffrey, je dois le soulever. Voilà. Longue journée. Hein. Fais gaffe, t'as un petit rayon de soleil sur toi, fais gaffe. Hein. On va mettre du sel vite. Ah ouais, je vais pas mourir. Ces cactus, par contre, ils font chier, je crois que je vais les virer. Putain de merde. Faut que je revienne. J'ai oublié ma radio dans le camion, ça c'est pas bon. J'ai fait quoi, il parlait lui. En fait, ce gars-là, justement, ça tombe bien parce que c'est... Il est bresson, lui, ouais. En fait, hier, on a des gars qui ont été pour nous sur les récoltes, tu vois. Et ils ont chopé... évidemment, je sais pas si c'est lui, tu vois. Parce qu'il y a le Masserpé et tout, des Jeffrey, il y en a plein. Mais ils ont chopé un gars... à White Eagle qui a dit directement
sans être menacé ou quoi que ce soit, qui est récolté pour les East Bay Dragons, tu vois. Donc on doit leur mettre un coup de pression le soir et... Faudra que j'aille les trouver, voir si c'est lui. Il s'appelle Jeffrey, justement, tu vois. Mais là, alors, comme j'ai qu'un Jeffrey qu'un chapeau, je peux pas l'assimiler. Tu m'as dit quoi? Falloir que tu te procures un petit fusil de chat, je pense, ici. Il y a plein d'animaux. Tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai failli shooter deux cercles. Oh, j'ai pas besoin de fusil de chat, j'ai bien mieux que ça. Ça, j'en doute pas, mais... Ouais. Non, par contre, je les bouffe pas ici, les animaux, tu vois. À part les petits cerfs, là, ouais, et les biches, ça, ouais. Cougar aussi, de temps en temps. Petit cougar fumé, comme ça, braisé au romarin. Cougar? Ouais, je te parle pas des vieilles poufias qui viennent essayer de te choper. Oh, hein. Tu viens de me donner une idée de malade. Cougar fumé, c'est le cougar de paletot fumé, c'est un mais... Pour faire un contrat contre un puma ou un cougar, s'il gagne, ben il passe pro. Ouais, mais ben t'auras pas beaucoup de pro, hein, je te le dis. C'est d'une vivacité un cougar. Eh, il y en a un qui va y arriver, hein. Et ouais, à Manu, hein, c'est pas... Il y a Will qui est là. Ouais, tu vois, je vais tout refaire ici, là. Je crois que je vais tout virer. Je vais mettre une grosse statue de moi au milieu. Je vais mettre une allée là-bas, avec des statues qu'on appellera l'allée aux statues. Et puis juste là, à tes pieds, je vais mettre un petit géranium. Ce serait stylé, non? T'es vraiment bizarre, Denzel. Faire une statue de la liberté, genre... Il a pas compris la ref, je crois. Ouais. Non, je suis pas du tout égocentrique, mais... je crois que je mérite une statue là devant. Ouais, ça serait plaisir, tout. Tu vois, une statue de moi avec des chevilles énormes. Ce serait magnifique. Une statue de toi, les jambes écartées, vous ne passerez pas. Ouais, c'est ça, avec un bâton, là, comme ça, et une longue barbe. Bon, sur ce, moi, je vais aller remonter là-haut, je vais aller faire mon footing. Vas-y, bon footing, et fais gaffe, hein, oublie pas, hein, tu passes un coup dans la mer pour purifier ta peau, tu mets ta crème solaire. T'inquiète, c'est ce que je fais depuis que je suis arrivé. Vas-y, à tout à l'heure, big up. Allez, ciao. Oh là là. Comment ça va sinon, là, dans le chat? Est-ce que vous avez changement de qualité ou est-ce que Twitch m'a encore bridé en 720p uniquement, là? J'ai pas été vérifié avant de lancer. On a des gars à soulever ce soir. Qui ça? Et pourquoi? Alors, on a, tu vois, mes petits protégés là, les Coréens. Ouais. Ils se sont fait braquer par un gars qui s'appelait Murder et dans son dos il était écrit Latin King. Ils lui ont dit que. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ils vont sur nos récoltes. Donc il va falloir leur dire qu'ils foutent la paix et qu'ils braquent plus personne là-bas, sinon ils vont avoir affaire à nous. Et on doit voir aussi les White Eagles parce que toujours ces petits mes petits Coréens qui m'informent de tout. Ils sont passés sur les récoltes, tu vois, et ils sont tombés sur un gars, un Texan, qui s'appelait Jeffrey, des White Eagles. Et écoute-moi bien, ils avaient pas d'armes. Rien du tout, ils l'ont pas braqué. Ils lui ont dit, tu bosses pour qui? Il a directement, pour Denzel. Il nous a déjà vendu des trucs, lui. Ouais, hier, ils nous ont vendu des trucs. Mais c'est les Texans, là, tu vois, là. Ouais, je vois très bien. Qui viennent proposer du business sans en avoir. Ouais. Donc le mec, il n'est pas braqué, rien du tout. Il est sur un endroit interdit où la récolte est prohibée. Et directement, on lui demande pour qui il bosse. Il balance East Bay Dragons, c'est Denzel. Sans être menacé, rien. Donc il va falloir leur faire comprendre que... Des villes. Ah, je savais qu'il allait revenir. Comment ça va? Ça va, et toi? La forme. C'est bon, on a les prix et tout, là, on est disponible. Ah, bah nickel. Vas-y, tu me permets que je la rentre? Allez. Va la bécane, t'as capté. Bah ouais, t'inquiète. J'ai pas l'esprit de me le tourner là-dessus. Ouais. Par contre, il y a un truc qui est chiant, c'est... Oui, je mets toujours le petit casque, qui vaut mieux. On sait jamais. Ah ouais, ça peut glisser. Tu vois, on n'a pas de...
J'ai pas de la jette adaptée aux bécanes et ça me fait chier. Il faut que tu les utilises assis sur la moto. Ah, ok. Alors, on était en châssis, c'est ça? Ouais, bah après, si t'as pas plus de temps qu'hier, check bien s'il y a pas de pot d'échappement et tout, ça serait bien. Ok, de toute façon, je vais tout checker là. Tu voulais mettre ça, c'est ça? Ouais. Ok, attends. Denzel, oublie ça. Oublie vraiment. Pourquoi? Tu vas avoir des problèmes, boy. Tu veux pas faire un char d'assaut non plus, tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est ce qu'il comptait faire, là. Non, oublie ça, oublie. Quoi, tu penses qu'on va avoir des blèmes? Ah bah, plus que des plaintes, boy. Quand même en train de mettre des armes à côté des pneus. Ouais, mais toi. Non, c'est démilitarisé, tu vois, regarde. La déco. Ah ouais, c'est de la déco, frérot. Ça va quand même couper si tu passes à côté des pneus, tu vois ce que je veux dire. Non, rien. Ça s'arrête quand on passe dessus. Ouais, mais entre ce que tu dis et ce qui est la vérité, tu vois, il y a une différence, boy. Là, c'est vaut mieux pas. Après, il fait ce qu'il veut, tu vois, boy. Moi, je lui conseille pas. Ils ont mis cette moto catalogue et la moto là, elle est bien spéciale à ça, tu vois. Ouais. Ce que je veux dire. C'est quoi, on verra bien. Quand on valide ça. Et ça coûte combien ça? Chaque petite pièce custom, c'est 400 balles. Vas-y, on va valider. Et au pire, je vais pas mettre les deux trucs démilitarisés là, tu vois, les grosses mitrailleuses. Ouais. Bah, à la limite, j'aurais plutôt fait le contraire. Ouais. Tu vois, parce que c'est plus facile de dire que c'est démilitariser ça que ça qui tournoie, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas, comme tu veux. Ou alors on se renseigne avant. Ouais, le mieux, c'est ça, je crois. Ouais, on va faire ça, ok. Par contre, qu'est-ce que je pourrais... Ouais. Attention, faut pas rester là devant le cowboy. C'est quoi ça? Ça, c'est des petits blindages. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe carrément. Ok, je te mets petit renforcé ou un petit léger? Ouais, renforcé. Ouais. Ok, vas-y. Bon, on est parti, Semi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore? Klaxon, je pense que tu t'en bats un peu les couilles, non? Ouais. On est après, d'accord. Si t'as le xénon de couleur, mets le rouge si tu peux. Ok, je vais regarder. J'ai le xénon, mais c'est le xénon de base. Ok. Je te le mets? Ouais, vas-y. Vas-y, c'est 400 balles comme d'hab. Ouais. Voilà. Roux, tu veux regarder? Je crois que je vais laisser cela en vérité. Ok. Peinture, tu veux regarder? Non. Ok. Ok, bah je crois que c'est un peu tout ce que je peux te faire. Malheureusement, il n'y a pas les selles ni rien, donc... Ouais, c'est tentant, hein. C'est tentant, c'est hein, des ouf. Hein. J'ai envie de tenter quand même. Je sais pas ce que c'est. Ah. C'est quoi, je te le paye, je vais tenter et si ça va pas, tu les enlèveras. Et ouais, ok, ça je vais essayer de base. Ouais, je te les mets. Vas-y, ok. T'as qu'à te renseigner, sinon je vais aller. Je te les rembourse. Je vais aller le faire. Vas-y, attends, on était où alors? Là. Par contre, on me fait un truc devant. Tu fais quoi, les lames ou. Ah, mets les deux, comme ça on est dans l'excès. Ouais, vas-y. Voilà. Est-ce qu'il te fallait autre chose? Non, c'est bon. Voilà, on n'est pas du tout dans l'excès là. Hein. Ah, attention. Non. Ça va, j'ai testé le klaxon, c'est bien désamorcé, on sait jamais. Ah, nickel.
Ok, alors, je fais mon petit calcul. 4, 8, 12, 16, ça fera 1600 dollars. On prend que du liquide, hein, par contre. Ouais, y'a pas trop là. Vas-y. De toute façon, on a une banque en face, donc y'a pas d'excuses. Je peux mettre à quel nom, la petite facture, boy? Mike. Ok. Mais un petit pourquoi. Ouais, carré, c'est sympa, ça. Bah, bonne journée, les gars. Ouais, vas-y, hein. Merci à vous. Passe quand tu veux, hein, tu connais. Y'a pas de problème. Yo, comment ça va? Très bien, vous? Ouais, ça va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux le déduire à la couleur de la voiture, je pense, déjà. Ok, on va regarder. Je l'ai acheté comme ça, j'ai regretté mon achat. Ah ouais, c'est... Ouais, couleur un peu bizarre, hein. Ouais. C'est quoi, je vais te mettre un petit coup de polish avant, histoire de voir correctement. Eh, j'ai plus de... What? Ah bah oui, merde. Attends, je vais rechercher de la jette. C'était pas l'excès du tout. Oui, c'est vrai que c'est des vraies menaces. En plus, c'est le cowboy. Mais bon, tu vois, je sais pas si c'est lui ou quoi que ce soit, donc... Des Jeffrey, il y en a plein, voilà, que vous avez connaissé. Hein. Tac. Je suis sûr que c'est lui, tu vois, mais bon. Alors. Un petit passage de la jette très viril. Merci, je te remercie. Hop, regarde, j'aime bien me dandiner un peu quand je fais ça. Ok, allons voir. Donc, tu voulais une peinture, c'est ça? Ouais, un truc plus foncé, du noir. Tu préfères quel style? Métallisé, mat? Chromé? Mat, j'imagine que c'est plus cher que métallisé. Non, c'est le même prix. Vas-y, mat alors, vas-y. On a un petit black. C'est vrai, je trouve, Matt, ça va pas trop avec ce véhicule-là, non? On peut essayer de la métalliser, si tu veux. Ouais. Je crois qu'ils ont oublié de démilitariser les mitrailleuses. Ah! Ah! J'ai appuyé sur le klaxon et c'est parti à pour couille. Ah, ok, ouais, on va les enlever. Hein. On va les enlever, hein. Tu veux que j'essaie de métalliser, alors, c'est ça? Sinon, j'ai chromé, regarde. Ça fait trop, ouais. Ouais, on dirait un peu miroir. Ouais. Dans les classiques, on a ça. Je sais jamais quoi mettre. Bon, en tous les cas, je le mettrai en noir. Hein. En noir, dans tous les cas, ok. Là, c'est du carbone black. C'est stylé, ça. Par contre, si tu dois faire la calante, ça fera deux fois la peinture. Pas de problème. Enfin, la calante de toi. Ouais, j'ai pas de problème. Ouais, ça fait... Alors, premier, ouais. Vas-y, mais moi, ça... Ouais, attends, je peux te montrer directement la métalliser aussi. Ouais. Voilà. Bah, en vrai, je vois pas trop de différence avec la classique. Ouais, non, c'est vrai. Ok, on part sur black comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu veux faire le dessus aussi? Ouais. Voilà. Exactement la même couleur, peut-être un peu... Légèrement plus clair. Ah, comme ça, voilà. Comme ça? Ouais. C'est validé? Validé. Vas-y. Et mets-moi aussi vite teinté, s'il te plaît. Ok, 300 dollars la vite teinté. Ouais, pas de problème. Ah, pourquoi je vais dans rouge, je suis con. Ah, on n'a pas de modèle de vite teinté pour cette voiture. Ah. Du coup, pas de vite teinté. Hein. Pas de vite teinté. Ok, je te la mets dans le séchage. Attention.
Voilà, il y en a pour 2-3 minutes. Et ça te fera $800 en point que du liquide. Vas-y, je vais m'occuper. Franchement, c'est quoi le... De l'aigle de la route. C'est bandant, ça. Waouh. Alors. Tu gardes les lames ou tu enlèves tout? Ouais, je crois qu'on va les enlever les lames parce que ça fait un peu d'étincelles sur les voitures. Ah. En fait, tout fonctionne. Voilà. Au moins, on aura essayé. Voilà, tiens, je te rends tes $800. Voilà. Nickel, merci à toi. Vas-y, pas de soucis. Bon, ouais, passe une bonne journée. Faudra annuler $800. $800 dans quoi? Dans qui? Sur la bécane que j'ai faite. Sur la bécane que t'as fait, ouais. Il faut enlever 800, il t'a donné que 800. Non, en fait, bah, j'ai enlevé les deux pièces de carrosserie que je lui ai mis. Ok. Ouais, il faut mettre 800, ok. Ouais, il faudra que je vois la compta, j'ai pas encore vu. Bon, ok, je crois que c'est bon. Après, la compta, c'est juste un truc temporaire, hein. C'est pour qu'on puisse noter aujourd'hui les trucs, quoi. Voilà. Combien du coup? Bah, les deux peintures, ça fera $800. Tiens, hop. Voilà. Passe pas par le chemin de terre. Vas-y, c'est carré. T'as l'enculé, il a pu en salle. Je dis passe pas par le chemin de terre derrière, il y a les flics, il y a plein de flics. Ah, ok, merci. J'imagine que c'est à cause des tirs. Je pense bien, ouais. Ah, ouais. On sait pas, il y a jamais eu de minigun ici, que dalle, rien. C'est ce que j'allais dire. Ils vont venir dans mon garage, ils vont trouver les pièces, ils vont dire tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui se vend le mignon, ça. Ouais, c'est ça en plus. C'est, j'allais dire, je vais te casser des couilles. Y'a moyen qu'on teste le bouclier derrière? Vas-y. Il était où ce truc? Ouais, voilà, en fait, c'est le blindage lourd. Ouais, ouais. Je sais pas, on va plus voir ma jaquette si je mets ça. Ouais, et tu vas prendre le vent, tu vas ralentir, non? Je pense. Comme tu veux. Ah, on va laisser tomber, vas-y. Vas-y, ok. Voilà. Merci à toi. Pas de soucis. Il est pas dans l'excès, lui. Hein. Le mec, il veut faire une voiture à la Mad Max. Leur faire un choix, boy, hein, bientôt, moi je te le dis. Qu'est-ce qui se passe encore? Chaque fois que je suis IG, je dois régler tous les problèmes Discord du groupe. Oh là 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 là.
C'est qui lui? Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter sur Discord? Oh là là. Oh là là les gars, sérieusement. Je sais pas pourquoi vous vous prenez à la tête encore pour des conneries, c'est dingue. Ça commence à me rendre ouf, tout le temps il y a des disputes quoi. Et chaque fois que je suis en RP c'est pareil, je dois lire le Discord, je dois lire les trucs et tout. J'ai pas encore vu le truc qu'on a mis. Tac. Ouais, le discours de mon groupe, ouais. Je sais pas, il y a de plus en plus de trucs, on a de plus en plus de machins et il y a de plus en plus de disputes. Alors qu'on a le garage maintenant, on a les customs, il y a des entreprises à reprendre. Il y a plein de trucs à faire et vous vous prenez la tête pour des débilités, c'est... J'en ai rien à foutre de qui fait quoi. Moi je sais pas le faire donc qui le fait, j'ai pas demandé un truc surréaliste, un truc de ouf ou quoi. Juste par exemple, je sais pas moi, quand on fait la facture du gars, et encore, on note, je sais pas moi, 4 pièces carrosserie, ça nous fait directement la somme, tu vois, c'est un truc comme ça. En fait, c'est juste pour calculer, mais au final, ça va être chiant. Bah, pas vraiment, en fait, parce que tu vois, le truc, j'ai pas envie de passer mon temps non plus à faire des alt-tab pour aller écrire sur un Discord ou sur un doc. Tu vois, là, par exemple, pour calculer, moi, j'ai un bout de papier, j'ai mis carrosserie, et chaque fois que je fais tout, comme tout est à 400 balles, ben, je fais des petites barres et pour la facture, je fais 4 fois 400 par exemple. Mais j'ai rien dit, Mama. Je sais pas, moi je m'en fous, les gars. Vous me proposez des trucs, je regarde et c'est bon, tu vois. C'est juste pour ne pas non plus que tous les gars. En fait, après chaque client, il faudrait le rentrer, tu vois, le mettre dedans, tu vois. Mais pendant qu'on fait la réparation, tu vois, c'est mieux de noter par écrit, comme ça tu stoppes pas le RP. Parce que si chaque fois, vous voyez, si par exemple chaque fois, je mets un pare-choc, et que je dois faire alt-tap, discord, pare-choc 1, ça va casser les scènes RP, tu vois. C'est juste en fait pour pouvoir les mettre après et que ça calcule tout de suite la facture. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais là par exemple, je vais te finir mon client. Bah, je rajoute le truc. Et je sais même pas si ça fait quelque chose, si c'est vraiment utile vu qu'on n'a pas de facturation en fait. Ta-ta-ta. Pour l'instant, je suis obligé de tout mettre là-dedans. Ça
Ça fait chier, l'autre il m'a payé en salle, mais je peux rien dire. Top, papapapa. Oh, mais c'est fait chier, il faut les mettre l'un sur l'autre. Voilà. Tac. Oh merde, c'est l'argent sale. Je fais le con aussi là. Voilà. Donc je vous relis. Mais en fait, tu voyais, je suis en train de réfléchir à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore dit exactement ce qu'il nous fallait. Vous voyez, les gars, vous faites déjà les bails, mais en fait, je sais pas exactement comment ça va se passer et tout, parce que on n'a pas de facturation et en fait, pour l'instant, on est que nous. Ce sera surtout pour les employés, en fait. Donc il leur faudra un truc, par exemple, qu'après chaque client, il note, je sais pas moi, 4 pièces carrosserie, 5 pièces carrosserie, et que ça calcule directement le prix avec les... Vous voyez, si par exemple c'est 400 balles les pièces de carrosserie ou les peintures, bah il met peinture 2, ça fait directement, ça calcule 800. Carrosserie 4, ça calcule directement 4 carrosseries, 4 fois 400, tu vois. Et on a une somme directe sur la même ligne avec le nom de l'employé en fait. C'est tout ce qu'il faut en fait. Il y a rien de besoin de plus. Et ça, c'est pourquoi on engagera. Et ça, là, il y a un mec, je vous explique. C'est les joies du lead de groupe. Hein. Ouais, mais c'est ça, c'est un Excel, en fait, c'est tout. Ouais, bah c'est ça, mais je les ai pas vus, tu vois. Mais justement, ça se dispute pour un truc de compta sur le Discord, je comprends pas trop. Il y a tout le monde qui s'en mêle. Je vois pas l'utilité. Enfin... et donc là, il y a un mec dans mon groupe qui est venu. Il avait wipe après un mois, après quelques jours. Et il était venu nous rejoindre. Il est venu deux fois une heure en trois semaines. Il est venu deux fois une heure en trois semaines. Et il s'étonne pourquoi je l'ai kick. Il me dit il fallait être patient. Ouais, mec, tu me réponds pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pour ça que je suis pas pressé pour l'Excel, parce que c'est pour les futurs employés, en fait, pour voir ce qu'ils font, tout simplement. Pour nous, là, en gros, moi, quand je suis là, j'en ai rien à foutre. L'argent, je le dépose dans le coffre. De toute façon, je vois tous les relevés à la banque de toutes les pièces utilisées. C'est pour justement voir si les employés vont bien respecter ça, tu vois. C'est juste pour faire un contrôle, tu vois, c'est pas... Pour nous, en vrai, on s'en fout de la compta, là. Parce que je sais bien qu'il y a que Jaris qui travaille ici et tout, on va déposer chaque fois l'argent dans le coffre, donc... Et logiquement, ils vont pas faire le fou, et de toute façon, je vois qui fait tout sur le compte mécano. Ah,
C'est dingue, Bref, salut Lou, comment ça va? Ouais, ça va bien. En plus, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils se disputent pour une compta ou je sais pas quoi, ça part en vrille. Alors qu'au final, je suis toujours son père au garage, de toute façon. Il y a personne qui veut y bosser. Regarde, lui, il est... Il a de piquant, lui, attends. On attend le client, hein. Le problème du truc, c'est qu'il y a des attentes différentes du RP là et qu'il y a des trucs qui vont pas. Il y a tellement de possibilités de faire des trucs civils, surtout qu'on est une orga. Il y a des entreprises après, il y a des tatoueurs à prendre, des centres de coiffure à prendre, des supérettes, il y a des machins, il y a des gens à rencontrer, etc. Et il y en a plein que ça intéresse pas en fait. Et c'est ça le problème. Là, ça se dispute pour une connerie. Parce que ça se dispute toujours pour autre chose. Parce qu'on soulève pas assez de gens, on fait pas assez de guerre. C'est pas que faire ça, le RP. Il y a tellement de trucs à faire. J'arrête pas de leur expliquer tout le temps à tout le monde, là. Dans leur journée, tu peux très bien te connecter, travailler au garage, aller rencontrer des gens, aller boire un café avec quelqu'un, prendre des contacts, te renseigner, prendre des gens en filature. Je sais pas, des fois... Moi j'en ai marre de me prendre la tête en HRP sur Discord, tous les jours il y a des trucs quoi. Ben non, mais c'est pas ça, mais des fois c'est trop quoi. Des fois c'est trop, en gros... Ben souvent j'ai l'impression que le soir... Si je dis pas à mon groupe... bah aujourd'hui il n'y a pas de soulevage. Bah je vois bien que ça fait chier tout le monde en fait. Et moi c'est un truc qui me déçoit ça. Tu vois, je comprends pas. Hier, je comprends pas quand on me dit par exemple, ouais bah Denzel, on fait quoi?
Mais il y a plein de trucs à faire en RP, en fait. Faut être autonome de son côté. Il y a plein de trucs. Moi, j'ai bien des rendez-vous tout le temps. Je parle avec des gens H24. Non, ils savent pas faire que ça. Non, ça n'a rien à voir avec une question de RP et tout. Mais il faut bien se dire que voilà, on n'a pas besoin tous les jours, tous les soirs, de tourner pour rattraper des gens, quoi. Là, on a des chargeurs à faire. Bah, le matin, j'ai fait tous les chargeurs tout seul, là. Bah, le garage, je sais que je vais tout seul l'après-midi. Ça, c'est pas grave. Il y en a qui bossent et tout, c'est compréhensible. Mais je sais qu'il y en a qui se connectent pas parce qu'ils disent qu'il y a rien à faire, tu vois. Alors qu'il y a toujours des trucs à faire. Moi, bêtement, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai un RP de merde ou différent, mais... Moi, il y a des soirées, ça me dérange pas. On va juste faire un billard ou s'amuser à l'unicorn ou faire des trucs comme ça, hein. Mais voilà, c'est ça. Il faut les créer, les histoires, tu vois. En fait, moi, je pars du principe où vous devrez tous avoir des contacts, tu vois. Des petits groupes qui gèrent à droite, à gauche, des groupes de petites frappes. Il y en a un qui gère un groupe, un autre qui gère l'autre groupe. Ils prennent des infos. Une fois qu'ils les infos, ils viennent dire, voilà, on a ça. Il y a eux qui ont fait ça, eux qui ont fait ça. Et après, oui, on va soulever, on va interroger les gens, etc. Mais c'est pas en mode qu'on voit tous les soirs tourner, quoi. Putain, le truc. Yo. D'accord. Ça va, et toi? J'aurais me demandé comment je rentrerais ton truc à l'intérieur, là. T'es rigolo, hein. Ouais. T'as besoin d'une répa ou quelque chose comme ça? Ouais, peut-être une répa, un petit nettoyage, si tu peux. Ouais, vas-y, carrément. Et tu fais que la réparation, toi? Ouais. Non, je fais les custom aussi. Ok. Ouais, custom esthétique. J'avais une paire de jantes là, mais je sais pas, elle a pas tenu. Ouais, je peux regarder ce que j'ai si tu veux. Ouais, je vais bien. C'est quoi, je vais déjà te faire le nettoyage là. Sans doute, je vais le vendre et. Il est fou en face. Pourquoi? Il est fou le custom, il l'a acheté 8000 balles. Et de base, il a payé combien avec les custom? Sans custom, de base, il a 10 000 sans custom. Ah ouais? Et avec le custom, ouais, t'en es à quasiment à 25 000 quoi. En plus, c'était à l'époque, c'était les custom d'avant. Je sais pas, ouais, ça doit faire. Okay. Moi, j'ai en demandé 12 ou 15, tu vois. 12, 15 000, c'était très bien. Qui est malade. 8 000. Acheter quoi avec ça? Je vais acheter une Punto. Ouais, une puce de Punto custom peut-être. Ouais, scroll. Putain. Tiens, y a un nouveau gars à toi qui est arrivé. J'ai croisé un gars, il m'a dit qu'il faisait le pro box ou je sais pas quoi là. Ah, ouais. Ouais, je sais pas, il me parlait de peau, de crème solaire, etc. Merci pour le follow. Ouais, donc tu voulais légende, c'est ça? Ouais. Ah, attends, t'as regardé ça. Tu es quel type? Plutôt off-road, non? Ouais, off-road. Ok, je vais te les faire défiler. Quand ça te plaît, tu cries. Ah, j'ai fait le tour. Ah, je peux... Attends, j'ai peut-être des autres, mais... Non, c'est pas ce modèle. Ok. Je vois lesquels c'est un plus. Ouais, c'est peut-être... C'est des gros bâtons. Des gros bâtons. Ouais, t'as pas trouvé ton bonheur là? Non, c'était pas ça. Attends, je vais regarder alors autre chose.
Ça, on va toutes se les faire. Hein. C'est par là, tu vois, c'est ce style, mais sans le liseré doré, quoi. Enfin, chromé. Ok. Lequel, ce style-là, tu veux dire? Ouais, c'est dans ce style comme ça, mais sans le chromé. En fait. Ouais, problème ici, moi, j'ai un gros prix d'achat si je dois changer la couleur de la jante, donc, tu vois. Mmh. Ok, donc on est reparti... Au pire, vas-y, reviens, mais moi, des grosses qu'on y avait. Tu veux celle de base? Ah non, tu sais, celle que tu m'as montré tout à l'heure. Hein. Encore plus gros, là, tu sais, les grosses tailles. Grosse taille. Ouais, vas-y, reviens. Celle-là? Non. Fou noir, je sais pas si... Ouais, ça. Ça? Fais ce style, quoi. Vas-y, dérogade, ce que t'as. Ok. Là, on est reparti avec un petit peu de chromé autour. Chier qu'il y a du chromé, ça, là. Ah, celle-là, c'est full black. C'est niveau taille de roue, c'est les plus grosses que toi? Je pense, ouais. Attends, je vais regarder dans... Ça, c'est un peu plus petit, je crois. Ouais, c'est un peu plus petit. C'est pareil, c'est plus petit. Ouais, en fait, il y a que les... Ok. Que les off-road qui sont balèzes, tu vois. Ça, c'est petit aussi. Ça, c'est celle d'origine, celle que t'as. Ouais, ouais. Ok. Celle que tu veux. Okay. Ouais. Là, ici, là, j'ai du chromé. Là, j'ai du chromé. Si tu veux full back, il y a ce style-là. Fais-moi ça, vas-y, c'est très bien. Vas-y. En plus, c'est normal, je les avais déjà peintés depuis. J'aime pas les pneus de merde. Attention, j'espère, je manœuvre. J'espère que tu l'as bien choqué fort, les coups. Ouais, normalement, ouais, il est choqué fort. Voilà. Alors, en tout, on sera sur du $550. Ça marche. Vas-y, tu es en liquide, on n'a pas encore le programme des facturations sur le PC, là. Vas-y, tiens. C'est carré, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Et sinon, tu vas faire quoi de beau? Tu vas aller taffer un peu? Oh, ouais, je fais un tour vite fait, je prépare, tu vois. Ok, ouais. J'ai des trucs pour toi. Quand tu veux. Ça craint pas. Un gâteau, ça? Ouais, ouais, c'est un gars à moi, ça. Ouais. Ok, ok. Ouais, il a pris une balle au niveau de la gorge, donc pendant quelques temps, il peut plus trop parler. Ok, ça donc marche. Il nous parle en langage des signes, tu vois. Je comprends. Voilà. J'espère que tu vas te biter, en fait. Ouais, il est suivi tous les jours. Ouais, j'ai carrément vu. Vas-y, t'as vu, j'ai mis des petits posters sympas. Je t'écoute, vas-y. Je disais, j'ai ta petite commande, ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, ce soir, t'es dispo pour... Ouais, je suis dispo, ouais. Donc je t'ai mis une quarantaine de chargeurs calibre 50. 40? Ouais. Il m'a demandé 50, mais c'est un peu beaucoup, là, en ce moment. Par contre, je pourrais t'en refaire d'ici quelques jours. C'est pas plutôt 20 qu'il est con, quoi. J'y...
Vas-y, mais de toute façon, je vais te les prendre. Oh, bah sinon, tu m'en prends 20, moi je m'en fous, hein. J'ai juste, ça me fait en du fait, stock. Si tu veux, j'ai acheté dans un entrepôt. Ouais. Sauf que ça fait une semaine que la femme de ménage n'est pas passée dedans, tu vois. Je vois. Pète les couilles. Ouais, je sais pas, il en voulait 50, je lui dis 50, c'est un peu beaucoup d'un coup, là, tu vois, pour le lendemain. Bah, donc du coup, j'ai réussi à en faire 40, mais si t'en fous que 20, pas de soucis, moi, ça me fait du stock pour la prochaine fois. J'ai dit, ouais, j'écouterai, c'est pour ça. Bah du coup, donc, je vais devoir passer un coup de machette, lui aussi. Hein. Ouais, pour lui faire calculer correctement. Ouais, ouais, parce que j'ai bien dit 20. Ouais, donc c'est, on est sur 20 à 700 dollars. Yes. Ouais, ils sont prêts. Je t'ai dit un truc, mais garde-le pour toi, parce que sinon ils vont savoir que ça vient de moi et je vais perdre, tu sais, à leur confiance, parce que moi je l'ai plus, mais ils pensent que je l'ai encore, tu vois. Ok. Les gitans sont venus me démarcher pour des chargeurs à 500 dollars. Ouais, ils ont pas envie de gagner leur vie, c'est un truc de fou. Parce que tu sais que... avec les matières et tout que tu rachètes. Moi, ça me coûte quasiment 400 balles de faire un chargeur. Ouais, bah... Oh, je m'en fous, moi. 400, 500, 700, je suis pas 200 balles près. Ouais, c'est ça. De toute façon, tu sais, au fur et à mesure, je te diminuerai un peu, tu vois, ou par rapport si c'est des... Des grosses commandes. Voilà, tu m'achètes des armes, je t'achète des chargeurs, et puis... Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, au moins t'es au courant. Ouais, je suis au courant, mais je savais déjà qu'ils faisaient des prix de merde. J'ai dit que j'étais pas pour l'instant, j'ai dit ouais, mais je sais pas, je vais voir, je te rappellerai, je vais jamais rappeler. Hein. Ouais. De toute façon, on pourra s'arranger, tu vois, avec les. Ce que tu me refourgues et tout, au pire, on s'arrangera pour faire diminuer un peu les prix de tout, tu vois. Ouais, c'est pareil, ouais, parce que là, en fait, tu vois, je suis en train de commencer à sous-traiter. Ah ouais, tu vas voir, c'est chaud de sous-traiter, parce qu'en fait, du coup, tu. Tu prends moins, mais tu travailles moins dessus, donc tu te fais moins chier aussi, tu vois. Ouais, bah c'est ça, tu vois. Donc, Et tu gagneras moins que si tu faisais toi-même, quoi, parce que tu payes de la main-d'œuvre. Ouais, c'est ça, mais avec le temps que je perds à faire ça, finalement, je perds du fric, tu vois. C'est ça. Donc, ouais. Même si tu prends que 100 dollars le chargeur, mais c'est 100 dollars gratuit. Voilà, exactement. Donc, quand j'aurai sous-traité, les prix vont un peu diminuer parce que je me chargerai plus de la marchandise non plus. Mais le problème, c'est qu'il y a certains qu'il faut que je calme parce que ils sont en train d'augmenter carrément la marchandise, notamment justement eux. C'est ça que je comprends pas, tu vois. C'est-à-dire que j'ai chopé des petits gars à eux qui reprenaient quasiment tout à 90 dollars pièce. En sachant qu'il te faut de chaque matière pour faire un chargeur, t'as vite fait le compte. Je me demande comment ils font du fric, en fait. Je crois plutôt qu'ils achètent les gens pour avoir des protections. Je pense que tu vois, il doit fournir quelqu'un qui doit lui mettre des billets sous la table, donc... Ouais, je suis dans le lotissement en face, 68. C'est ça. Mais de toute façon, toi, dans logiquement, bientôt, tu pourras te les faire aussi, non? Voilà, bientôt. Il y a une semaine ou deux, quoi. Ouais. Après, je sais pas. D'ailleurs, faudra que je te fasse rencontrer mes sous-traitants. Ok. Ils sont intéressés par autre chose que toi seul peux fournir. Ok. Et t'as un peu bossé avec les White. Non. Tu les as déjà rencontrés? C'est qui? Des Texans qui créent dans le Nord. T'as des noms? Garrett Stone. Ok. C'est que si je vois qui c'est, ils sont une fois au tout début quand j'étais à l'Unicorn. Bah, je vais aller leur faire un petit coucou ce soir. En fait, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit. Oui. Ouais. Vous vendez à combien votre. Votre vin, machin. En fait, ils me parlaient, ils voulaient savoir tout sur moi. Mais lui, il me disait rien, tu vois. Ils m'ont fait exactement la même chose. Je leur ai dit qu'ils me faisaient perdre mon temps à rien proposer. Du coup, j'ai écourté. Et en fait, si tu veux, tu vois, ils bossent un peu pour moi. Ils bossaient pour les gitans justement et je les ai récupérés. Mais il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que tu vois mes petits sous-traitants qui contrôlent un peu les zones aussi maintenant. Bah ils sont tombés sur eux. Et le mec, ouais. un de chez eux, sans menace, à rien du tout, il a directement balancé qu'il travaillait pour nous.
Ouais, donc je vais devoir un peu aller les rencontrer ce soir. Du coup, si j'arrive avec ma sulfateuse Thompson et mon AK et compagnie, donc ils me donnent même là où t'habites. Ouais, bah oui, je crois qu'ils te donnent tout, même leur cul, je pense. Merci. J'essaye. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, je vais aller un peu dire que ça me dérange un peu et que s'il faut coudre des bouches, ben on va les coudre. Ah, c'est ça, j'ai une bonne méthode pour ça. C'est pas mal, mais en tout cas, je pense que c'est pas le genre de mec qui te... Mais tu sors un couteau, ça sert à rien, en fait, tu le pointes du doigt et te dis tout. En fait, chez nous, on a une pratique, tu vois, c'est l'inverse de coudre une bouche. C'est justement, t'entailles le bord de tes lèvres, là, tu vois. Ouais, ouais. De chaque côté. Et derrière, tu balances du sel dessus, tu vois. Ah ouais, pour bien que ça pique et que ça fasse souffrir. Forcément, quand t'as mal, sauf la bouche. Ouais. Du coup, tu ressembles au Joker, après, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Appelle ça le sourire de l'ange. Ouais, ça doit être marrant à regarder. Puis s'il parle encore une fois trop long, il fait la cravate mexicaine. Tu connais ? Coupage de langue, non ? Presque. Tu fais un trou dans la glotte et tu chopes sa langue. Tu la passes à travers la... tout à fait, tu vois ? Ouais. Du coup, elle pend, après. Ouais, je connaissais la cravate de notaire, mais c'est pas la même, je crois. C'est ça. Ça marche. Ouais. Donc, écoute. Bah on se verra tout à l'heure. On s'appelle ce soir, j'ai plein de rendez-vous, donc je vais essayer de faire mon max pour... Vas-y, vas-y. Pour se capter. Ok, de toute façon j'ai quelques personnes à te faire rencontrer aussi. Vas-y, ça marche, on fait ça. Vas-y, on fait ça tout à l'heure. Ok, allez. Allez, salut. Ciao, ciao, ciao. Et si t'as un problème avec tes gens, t'auras qu'à repasser. Si t'as un problème avec tes gens, t'auras qu'à repasser. Ah ouais, avec mes gens, ok, ça marche. Sinon, on passe toujours... au central, tu vois, un petit coup, on sait jamais. Ouais, ben là, il y en a juste à côté, je vais tester, tu vois. Ouais, ok. Ils sont toujours en train de se prendre la tête pour... Putain, mais... Et je crois que je vais plus faire... Je vais pas faire de comptabilité, hein. Non, c'est bon, ça a tenu. Hein. Ok, bah c'est parfait, alors t'as vu, moi je les fixais. Ouais, un peu de force, et c'est bon. Voilà, c'est ça. Un peu d'huile de coude, comme on dit. C'est ça. Vas-y, bah, ok. Ouais. Allez, salut. Ciao. Tu vois, surtout que il y a le time, quoi. La comptabilité que je demande, c'est uniquement quand on aura des employés. J'ai juste évoqué l'idée et je sais pas, ils sont en train de se battre. Parce qu'en vrai, tu vois, quand on est nous... De toute façon, moi, je vois tout sur le truc... sur le compte mécanique, tu vois. Sur le compte de l'entreprise, je vois tout ce qu'il y a utilisé comme pièce et tout, là. J'ai tout, tout, tout. Donc, il suffit que je vérifie ça pour savoir qui a mitonné et s'il manque du fric. Mais c'est uniquement pour les employés, tu vois. Parce que là, au final, c'est pas compliqué. Toutes tes pièces de carrosserie, c'est 400 balles. Si tu fais de peinture, bah, c'est 800 balles. Donc... Il suffit juste de retenir combien de pièces t'as mises, tu fais le calcul et basta quoi. Et si t'as une répa, c'est juste 150 en plus. Arrête compliqué. Liquide, vous le gardez, vous me le donnez, je le fous dans le coffre. De toute façon, je vais voir tout leur tableau, ouais. C'est ouf. Hein. J'ai jamais dit que un était préposé ou quoi, putain, mais c'est... T'imagines les broutilles quoi, mais c'est à moi. Voilà, ça y est, je suis énervé. Je vais déposer la thune. Ah, d'ailleurs, t'as encore des outils et des lagettes ?
t'en veux un petit peu? Ok. On a fait combien aujourd'hui là? 3008, c'est déjà ça? Mais je comprends pas en fait, t'as pas envie comme ça. J'ai juste dit qu'il faudrait une compta, je m'en fous. Et vas-y, pourquoi tu le prends comme ça? Je t'ai rien dit, moi, Sins. J'ai juste dit qu'il faudrait une compta un jour. Je m'en fous de qui l'a fait, comment on l'a fait, tu vois. Ouais, je sais. Ok, de toute façon, moi j'en ai fait 70 ce matin des chargeurs. On n'a plus rien là, on n'a plus de silex. Ok, vas-y, c'est carré. De toute façon, là, on a nos deux commandes qui sont prêtes. On a la commande pour les blues, ils sont dans les Yuga, directement. Il y a un Yuga avec 30 chargeurs et un autre avec 40, mais apparemment il en fallait que 20, donc on aura 20 d'avance. Ouais, je sais, mais de toute façon il faut que tout le monde se calme là. Bon bah c'est pas la folie de la clientèle, hein. Surtout toi tu vas galérer pour leur donner les prix et tout. Oh là là. En face, il y a du monde. En fait, ils sont que deux comme nous. J'aimerais bien voir comment ils revendent, ils reprennent des Yuga. J'aimerais bien virer les Yuga et prendre des genres de burrito, je sais plus quoi là, tu vois. J'ai vu que ça coûtait 10 000 balles. Au moins, tu peux aller partout avec. Si on a des grosses livraisons à faire, c'est mieux. Rumpo 3. Ok, il faudrait que je regarde. Pour aussi essayer de refourguer les rats bike là. Vas-y, si tu veux en acheter un, vas-y, carrément.
comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money. Oh, merci Adri. Merci pour l'abonnement Adri, comment ça va? Merci, merci pour le sub, ça fait plaisir de ouf. Vous pouvez lui taper des subs là dans le chat, hein. Des émotes là si vous voulez. J'ai quoi comme émote, il faut que j'en remette. Ma belle émote sub là, elle est magnifique. Tac. Merci beaucoup Adri, comment ça va? Comment tu vas? Tu passes une bonne journée? Moi, je commence à avoir la dalle, j'ai pas dîné encore. Il m'emmerde ce lecteur à se mettre en pause. Tu sur le savon aussi en tant que civil illégal. Ah ok. Ah bah c'est gentil, merci. Quand c'est déjà... Tu nous as déjà croisé en RP. Pépère, ça se réveille. Ah ça se réveille à 15h27, ça va tranquille. Oh, t'as raison si t'as un peu... Ah ok, le pote à TG, d'accord, je vois. Tu m'as soulevé à la mine l'autre jour. Ok. C'est ma mine. C'était quoi les deux employés en silex, c'est ça? Qui faisaient croire qu'ils travaillaient pour la mairie. Ou c'est à la carrière, toi? Je sais pas, on a tellement soulevé des mecs un peu partout. Non, même pas, on était trois et on bossait. Ouais, ok, je vois. Parce qu'on en a soulevé aussi aux pierres, tu vois, on en a soulevé aussi à la mine. Un peu partout, au bois. On essaye de rapatrier un peu tous les vendeurs vers nous, tu vois. Mais tu vois, nous, ce qui est chiant pour l'instant, c'est qu'on n'a pas encore de... On a les salaires qui vont arriver. Donc, en fait, quand on est là comme ça, ben, on touche rien, tu vois. Donc, pour l'instant, on va payer en liquide. Et puis après, les salaires vont être débloqués dans quelques jours, je crois. Même nous, les civils illégales, on va devoir faire des choix niveau business. C'est cool de fou pour nous. Ben, hein. C'est ça. Mais en fait, tu vois... Moi, quand j'ai besoin, on me fournit... Je sais très bien que tout le monde verra tout le monde. Pas pour ça que je vais empêcher les gens non plus. Pas faire du blocage RP, tu vois. Faut juste pas tomber sur nous quand on est là et que ce soit une commande pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est calme. C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça.
Ouais, je vais refaire une annonce. T'as raison. Oh merde. Vous savez quoi? Je vais toujours faire un screen de l'inventaire parce qu'on sait jamais qu'avec le reboot, le coffre il change, tu vois. Donc hop, on va faire un screen. Voilà. C'est quoi les modes posés? J'avais fait des émotes, mais je sais plus lesquels c'est. Oh là! J'ai pas fait une émote posée. Posez contre un mur. Tenir le mur. Ligne 4. Ah, merci Border. Et y'a Will. Merci Border. Yo, comment ça va? Ouais. Ça va ou quoi toi? Ouais, tranquille, je peux faire pour toi. Moi, bon, dis-moi, je vais un peu te voir parce que du coup, je suis un peu au courant des nouveautés là. Ouais. Parce que... Et apparemment, pour les intérieurs, il y aurait que toi qui sais les faire? Non. Je peux pas faire les intérieurs, moi justement, c'est le Beniz. Lui, il m'a dit que c'était toi. Je vais vérifier, mais je suis pas sûr, attends. Parce qu'il était déjà en blanc, mais bon. Comment essayer de dire que j'ai pas rentré la voiture à mon garagiste et. Du coup, il était pas content. Attends, excuse-moi. C'est... Vas-y. Ouais, j'ai vite d'écraser mes magnifiques cactus. Je comprends. Alors. Parce que c'est ça. Moi aussi, je crois que je peux. Attends. Ouais, je peux faire les intérieurs. Oh, ouais. Plus de trucs en fait, quoi. Ouais. Il y a des trucs là. J'ai de voir certains trucs là. Ouais, attends, parce que c'est. J'essaie de. De bien voir ce que je fais. Ouais, vas-y, prends ton temps. Ok, alors.
Garde, tu vois là ou pas avec tes vitres teintées, ouais, ou tu veux que j'ouvre? Ouais, ça sympa là déjà. Ouais, je vois par le pare-brise à l'avant là. Ok, donc ça j'ai ça pour les pour l'habitacle. Tu me dis si t'en veux un. Ouais. J'en ai quatre. Attends. J'ai le avec des petits néons. Sinon j'ai celui-là plus basique, un peu plus luxueux. Ou celui-là. Je te refais un petit passage. Ouais, vas-y, remonte. Vas-y. Un peu, du coup, là, à l'intérieur là. Ok, alors on a celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Alors, quel est ton choix? T'es toujours là, boy? Ouais, je réfléchis. Toi, vas-y, réfléchis, attends. Donc là, on est ça, tu vois, c'est plutôt question. Vas-y, je retiens et regarde s'il y a la limite. Okay. Est-ce que toi, à l'intérieur, la couleur, là, mettre tout l'intérieur j'ai en j'ai blanc, des petits, de j'ai, base, j'ai des petites figurines. Je vais regarder, attends. Ce serait dans quoi? Ah, je peux changer le compteur et tout, là. Magnifique, ça. Le volant. Ouais, mais j'ai pas les sièges. Tu peux carrément mettre le levier de vitesse et tout, là. Je peux te mettre des enceintes partout. Mais je pense pas que je puisse changer la couleur. Non. Je peux changer les plaques, les haut-parleurs, etc. Mais je peux pas changer la couleur à l'intérieur. Ok, bah j'irai peut-être. En fait, il sait pas rentrer, sinon il traverse la voiture. La couleur. Et dans le coffre, tu m'as dit que tu savais mettre des trucs, du coup. Ouais, attends, regarde. Tu me dis ce que t'aimes bien, ok. Vas-y. Bah putain. Ah ouais, ça c'est sur la planche arrière, ouais. Ah, c'est la planche arrière, ok, ouais. Quelque chose qui te plaît? C'est compliqué. C'est compliqué là, pour non, moi. Là non, mais rien du coup à l'arrière là. Ah ouais. T'es là, c'est le coffre là. Ah ouais, là ça devient bien, ça devient bien là. Voilà, t'as vu un truc qui te plaisait ou... Attends... Putain non... Ouais, j'ai fait le tour de toutes les pièces là. Ouais, reviens en arrière. Encore. Voilà. Ok, approuvé. J'aime bien quand c'est assez sombre, tu vois ce que je veux dire, j'aime... J'ai pas envie que ça fasse trop kéké, tu vois ce que je veux dire? Ouais, kéké tuning. Voilà, tu vois, okay. Comme, c'est ça que je réfléchis aussi un peu, parce que tu vois, mettre quelques petits haut-parleurs, ok, mais j'en veux pas la masse partout, quoi. Vas-y, ok, ça te fera 400 balles, ça. Ouais, ça, pas de soucis. Ok, vas-y. Approuvé. Alors, je peux te mettre... ouais. Ça c'est l'intérieur, tu t'en foutais, c'est ça, la planche arrière. Ouais, ça c'est la planche arrière, ouais, ça, mais... Je peux... les plaques, je peux te mettre des trucs, regarde, derrière. Tu verras mieux de devant, je crois. Elle y est pas, à l'avant. Non, mais pas la plaque, c'est un petit truc... regarde, viens voir, tu vois. Tu vois le truc, là? Dans le fond, là, sur la planche arrière. Ah, ouais. Ouais. Non, mais rien. Ok. Alors...
peux te faire le levier de vitesse. Petit truc d'Illuminati. Une grenade. Petite tête de mort. Une tête de mort chapeautée. Un petit soldat. Un petit roi. Non, laisse comme ça. Okay. Tu veux pas une tireuse? Tu sais pas rentrer dans la caisse, hein. On est d'accord. Je sais pas. Non. Ouais, ouais, il me semblait bien. Je peux te faire la boiserie. Sur le volant. Petit volant en chaîne, là. Je mettrai peut-être un autre volant, mais... Ok, je te fais ça. Tu sais descendre là vite, là, de mon côté? Attends. Merde. Voilà, attends. Voilà, voilà, parfait. Alors, on était... on était sur les... Non, ça c'est le but de vitesse, tu voulais pas. Voilà. Alors, je te fais le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Il y en a un qui t'a plu? Ouais, deux, trois, du coup. Ok, vas-y, dis-moi lesquels. Vas-y, continue. Déjà, celui d'avant était déjà sympa. Celui-là, ok. Donc, c'est noté, ça, c'est une petite, petite décoration un peu d'art, tu vois. Celui d'avant aussi. Celui-là? Ouais, il était assez sympa aussi, celui-là. Ouais, ok. Voilà, j'ai fait le tour. Même en deuxième champ. Celui-là, c'est ça. Voilà. Vas-y. Ok, tu veux encore voir ce qu'on peut faire? Bah, regarde toujours, ouais, on ne sait jamais. Là, je peux te changer le compteur. Tu le vois, là? Ouais. Voilà, j'ai fait le tour. Il y en a qui t'a plu. Repasse le, voilà. Voilà, j'ai fait le tour encore là. Ouais, j'arrive pas bien à voir 100% les motifs des fois de... Ouais, en fait là c'est... Si tu veux, c'est du crâne vaudou. Là, c'est des petits monstres. Là, c'est des petits trucs, des cartes et des dés, etc. Tu vois un peu casino. Oh. Ça, c'est des serpents. Là, c'est des petits crânes. Crânes tête de mort un peu rétro. Ouais, limite, c'est ça qui irait le mieux. Hein, ça. Pense. On parle là-dessus. Ouais, vas-y. Vas-y. Texte téléphone en plus qui m'emmerde. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Petite figurine.
donc ça c'est pas mal. Et j'en ai plein, hein, des petites figurines, t'as vu ça? Ah putain. Ah, j'ai fait le tour. Y en a une qui t'a plu ou pas? Oh non, pas spécialement, non. Ok, vas-y, on oublie ça. Alors, qu'est-ce que j'ai encore d'intéressant pour toi? En intérieur, j'ai plus rien. Je peux pas revoir si tu veux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? L'habitacle. Là, on est un peu plus chromé. Ouais, c'est au niveau des portières, ça. Ouais, c'est ça. C'est tous les baffles, etc. T'as des petits néons, en fait. Ouais, ça fait forqué, ça fait kéké, moi, je trouve, ça, tu vois. Ouais, sinon, t'as plus sobre, comme ça, là. Un peu brillant. Voilà, sans néon. De base, c'est comme ça. Et là, hop. Moi, j'aime bien comme... J'aime bien de base, je trouve. Ok. Voilà, avec le contraste, ouais, non, j'aime bien. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je pouvais te proposer. Ouais, ça c'est le 8 vitesse. Ok, bah nickel. Ouais, on du a fait le tour. Pour la couleur des sièges, ce sera le bénis du coup alors. Ouais, parce que moi j'ai... Ouais, non, j'ai pas là. Ok, bah vas-y, carré. Vas-y, ok, je te la sors. Enfin, la voiture. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc au final, t'as fait deux petits changements, c'est tout, c'est ça? Je crois que c'est ça. Attends, le volant, le compteur. Oh, et volant, compteur et coffre, c'est ça. Et coffre, ouais. On est à 3, ok, ça te fera 1200 balles. Vas-y. Tu me fais une facture ou tu veux que je te paye là comme ça en liquide? Liquide, pour l'instant en facturation, c'est galère. Vas-y, attends, j'arrive, je vais retirer. Ouais, il y a une banque devant, vas-y. RP Sims. Surtout que je sais pas encore. En fait, chaque custom change, tu vois. Chaque voiture a des différents customs, donc... Je peux même pas te dire, de me dire, ah ouais, c'est là ou là ou là ou là, tu vois. En plus, c'est en anglais. Je parle pas trop... Je comprends, tu vois, quand je regarde une série ou quoi, je comprends plus ou moins, mais il y a des mots, des fois... Je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas bilingue, quoi. Hop là, vas-y, je te demande ça. Bah vas-y, ça fait plaisir. Ouais, donc nous aussi, on fait tout ce qui est carrosserie et tout le bordel. Par contre, tout ce qui est perf, c'est au bénisse. Ok, bah nickel. Ça marche bien. Ok, bah comme ça... On fait repas aussi, nettoyage, tu connais. Ah bah nickel, ouais. Ouais, j'ai même une dépanneuse, si un jour vous êtes dans la merde, je pourrais venir dépanner. Ah bah nickel, ça c'est bon ça. Ouais. Ah bah nickel, comme ça c'est un petit repas, on peut te sonner alors du coup. En déplacement je fais pas trop, tu vois, il faut plutôt prioriser l'exotique. Ouais, mais s'il y a personne, si voilà. Tu es là ou quoi, tu vois, si je ouais, ouais. Faut pas hésiter, ouais, t'as mon numéro de façon, non? Ouais, normalement je l'ai. Hein. Ouais, ouais, si t'as ouais. Pas changé, je l'ai. Non, j'ai pas changé. En fait, tu ouais, vois, on laisse un peu tout, on s'est un peu arrangé en garagiste, tu vois, toutes les repas, on laisse un peu l'exotique. Mais si personne te répond l'exotique, faut pas hésiter, tu m'appelles et je viendrai. Ouais, parce que ça, j'ai vu Will du Reaper, du coup, tout à l'heure, Bénise, il bosse à Bénise, et bon, et c'est ça qui m'a un petit peu informé. Et je voulais mettre l'intérieur en blanc, et il m'a dit que c'était toi. Mais bon, bah là, apparemment c'est lui. Mais bon, c'est pas grave, quand même, de toute façon. Bah, repasse-y, tu vois, regarde pas. Un truc, tu vois. Par exemple, tu vois, la peinture nacrée, je l'ai pas, moi. Ouais. Donc, il y a certains trucs que j'ai qu'il a pas, mais en général, ouais, le custom esthétique, c'est plutôt vers moi qu'il faut venir et le moteur vers lui. Mais s'il y a pas okay. S'il y a un truc que j'ai pas, bah je t'envoie chez lui, tu vérifies s'il l'a et tu fais là-bas, tu vois, y a pas de blé. Ouais, bah voilà, on fera comme ça, quoi. Ok, ça marche. Comme ça. Ok, nickel, bah carré. Vas-y, et à propos... Ouais. Attends, je regarde, c'est bon, on est un peu solo, là. Tu peux dire à ton... A Capella que j'ai sa petite commande, j'en ai 30 petits chargeurs. Ok, bah vas-y, carré, je lui dis ça dès que je le vois. Ok, quand tu veux. Vas-y, carré. Vas-y, allez. Bonne journée. Ça va. Bonne journée à toi aussi, hein.
Ça va, en une petite matinée, on s'est fait pas mal de blé, là. Ça change du garage avec les repas à 150. Mais je sais pas si les petites pièces comme ça, je vais les garder à 400 balles, parce que... Bon, et puis, au fait, pourquoi pas. Ça va, Usaki? Désolé, je t'avais pas vu. Comment il va, Usaki? Parce que c'est vrai que les pièces carrosserie, c'est 400 balles. Changer un volant, ouais, ça peut être 400 balles aussi. Mais c'est vrai que juste petite figurine. Peut-être que les figurines, je devrais les faire à un joueur à 200. Ouais, c'est vrai, autant se faire du fric. T'as raison, Border. Yo, yo, yo. Yo, Momo! Bonjour, monsieur. Est-ce que ce serait possible de réparer mon véhicule? Bah oui, bien entendu. Si vous pouvez me laisser la place, je vais vous réparer ça tout de suite. Je vous le confie, monsieur. Ok, je vais en prendre soin. Oh, elle est fumante, là, carrément. Hein. On dirait mon ex-femme. C'est exactement ça. Elle fume de tous les côtés. Ouais, c'est ça. Ouais, rien de grave, ça doit être un peu le radiateur qui a pris un petit coup. Je vais un peu colmater ça, remettre un peu de liquide de refroidissement, ça devrait le faire. Ouais, vous avez tiré beaucoup dedans, non? Ouais, j'en ai profité toute la nuit. Ah ouais, ok. Ça, c'est ce genre de véhicule, si vous prenez des montées ou quoi, c'est tellement lourd et le moteur est pas assez puissant, du coup, ça crée des petites surchauffes. C'est ça, surtout avec mon poids, je sens qu'elle a vraiment du mal. Ah, pourtant ça va, vous allez pas l'air si épais que ça. Ah bon, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ouais, mais je suis toujours poli, vous voyez. Ouais, c'est vrai, quand vous faites un bon petit... combien là? Petit 120, non? 150. 150, voilà, j'avais encore été sympa. Ouais, c'est vrai. Ah ben, vous savez, chaque homme pèse son poids, comme on dit. C'est ça. Moi, c'est 150 kilos de puissance. Ouah, tant que c'est de la puissance, ça va. Moi, j'ai pris un petit peu, là. J'ai pris un petit peu des sur les côtés, là, en ce moment. Il faut que je m'en mette au sport. Ou alors, il faut vous trouver une femme. Ouais, bah justement, en général, les MBA peuvent s'accrocher. Mais il faut pas que ça reste démesuré non plus. Il faut pas que la main soit remplie, quoi. Voilà, je vous ai même mis un petit coup de lingette, là. Ça fait plaisir. Ah bah ça c'est sympa ça. J'étais jamais venu ici, ça fait longtemps que vous êtes ouvert. En fait on était Dragon Motors, vous voyez, à l'est de la ville là, Under Bridge. Derrière le SPD, ouais c'est ça. Et malheureusement le garage là-bas, on a eu un problème d'humidité, etc. On a le toit qui a failli s'effondrer, donc on a revendu le bâtiment pour qu'il soit rénové ou carrément rasé. Et on est dû s'installer ici, et du coup j'ai pu récupérer un peu mes pièces... custom que j'attendais depuis pas mal de temps et on est pas mal finalement, ça prend un peu l'air de la campagne. Ah oui, ici vous êtes vraiment bien mis parce que vous êtes vraiment aussi bien pour le nord que pour le sud. C'est ça ouais, on est au milieu. Vous avez touché les deux clients quoi. C'est ça, un peu comme le gland qui pendouille entre tes deux couilles. Ouais, c'est une nouvelle expression qui vient de m'arriver là, c'est... Hein. Ça vous laisse sans voix. Oui, je n'avais pas encore entendu ce genre de choses. Ouais, je sais, des fois j'en sors comme ça. J'ai pas trop de filtres, vous voyez. À Los Santos, plus on monte vers le nord, plus les gens sont sympathiques. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, moi je suis à moitié sympa, quoi. Je suis entre les deux encore. Oh non, vous êtes bien sympa, parce que je suis déjà tombé sur des garagistes. Ils étaient plus froids qu'un glaçon, quoi. Une vraie porte, y a rien qui sort, quoi. Ah ouais. Vous essayez de discuter un petit peu avec eux, ben vous vous retrouvez tout seul à discuter. Ah ouais, je vois, ok, d'accord, je vois le genre. Ouais, je ne citerai pas de nom, bien sûr. Non, bien entendu, mais je sais très bien de qui vous parlez, je connais les autres garagistes. Ben oui, c'est ça, quoi. Puis ils sont malhonnêtes aussi. Ah ouais, ils sont malhonnêtes, ils vous prennent quoi? Ils vous prennent plus cher? En fait, vous payez avant la réparation, puis ils disent que vous ne les avez pas payés, et puis vous repayez une deuxième fois après la réparation. Ah ouais, ok, d'accord, je vois le genre. Mais c'est débile de faire payer avant. Parce qu'on sait jamais vraiment ce qu'on doit remplacer comme pièce, etc. Donc. Bah oui, c'est exactement ça. Dites-moi combien est-ce que je vous dois? Nous, c'est $150 prix fixe. Nettoyage, réparation. Ça bouge jamais.
Ça, c'est bien, c'est très honnête. Bon, sauf si vous arrivez sans moteur, à ce moment-là, je serai obligé d'investir un nouveau moteur, ça coûterait un peu plus cher, mais bon, je vois pas comment vous arriveriez ici sans moteur, hein. Voilà. Merci, ça fait plaisir. Monsieur. Toujours, je vous en prie. Je boirai une petite bière à votre honneur, tiens. Mais je ne vous ai jamais croisé en ville. Non, je pense qu'on s'est pas encore croisé, non. Moi, c'est Denzel, et vous? Moi, je m'appelle Biggie Bellavita, connu aussi sous le pseudonyme de... De? J'ai pas le pseudonyme, là, ici. Ça s'est arrêté avant. Dommage. Ouais, ouais. Connu aussi sous le pseudonyme de Biggie 150. Biggie 2GY. Ok. C'est stylé, moi, il faudrait que je me fasse une présentation comme ça, merde. Ah oui, surtout que vous avez un timbre de voix absolument exceptionnel. Vous êtes rappeur ou autre chose? Non, mais ça m'arrive parfois de rapper quelques morceaux de fromage pour mettre sur mes pattes, mais sinon... Question chant, c'est pas trop ça, non. Bah, vous êtes pas en reste non plus, vous. Vous devrez vous lancer dans la comédie parce que vous avez un grand sens de l'humour. Ouais, c'est vrai. Oh ben, quand on a quasiment plus rien, on prend ce qui nous reste. Comment vous avez dit que vous vous appelez? Denzel. Denzel. D-E-N-Z-E-L. Denzel. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Il faudra que je me fasse une présentation aussi cool que vous, tiens, d'ailleurs. C'est vrai, ça. Ouais. Allez, monsieur, je vais vous laisser à vos occupations. Moi, je dois déjà partir. Vas-y. De toute façon, je reviendrai ici parce que vous êtes le plus sympa de tout Los Santos. Ouais, il faut pas hésiter. Hein. Bientôt, on va faire une campagne de recrutement, là, si jamais vous cherchez du travail ou quoi que ce soit. Faut passer. Moi, je suis plutôt chauffeur que mécanicien. Ah, ok, d'accord, je vois. Plutôt chauffeur privé. Oh, privé, public. J'ai entendu dire qu'il allait avoir une entreprise de taxi qui va ouvrir. Je vais sûrement postuler là-bas. Ah bah, elle est déjà ouverte, elle est en face de chez... d'où j'habite, justement. Ah, oh, vous habitez juste en face. Ouais. Dites-moi, est-ce que je pourrais avoir le numéro de téléphone de votre garage? Ouais, on n'a pas vraiment un numéro de garage attitré, mais je vais vous donner le mien, c'est 9154. Vous pouvez m'envoyer un petit message, comme ça j'aurai votre numéro si jamais j'ai besoin d'un transport. Salut Alex, comment ça va? Et voilà, monsieur. Ok, oui, donc Biggie, Bellavita, Biggie, 150, Touquet, chauffeur, ok. Allez, monsieur, ben, je vous dis à la prochaine, alors. Passez une excellente journée. Ouais, passez quand vous voulez, hein. T'es sympa, lui. Voilà, l'argent sale pour une répa, je vais le garder, ça me fera de la bouffe. Ça va la forme? Ah, c'était toi? Ok. C'était toi, bah tu vois, on n'arrive pas à se capter en HRP pour le stream deck et tout, mais on a réussi à... Bah ouais, il y a souvent que moi qui suis au garage, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok, d'accord. Ah, tu sais quoi, on se la fera demain. Tu sais quoi, on se la fait demain après-midi. Ça te va? T'es disponible demain dans l'après-midi? Eh oui, ça va, merci beaucoup, Alex. Ça va très bien. Bien sûr, je passerai à ton garage. Mais je te préviens, regarde la gueule de mon stream deck au garage. Attends, regarde. Voilà. C'est mon setup. C'est mon setup, ça. Ça va? Je pourrais installer le stream deck là-dessus? Un beau CRT 15 pouces, hein.
Mais j'ai un écran et une souris sans fil. Enfin, un clavier et une souris sans fil plutôt. Ouais. Par contre, ce qui est bizarre, je pense que c'est carrément un Minitel ou ça doit être un vieux Mac parce qu'il n'y a pas de tour. J'ai tout sans fil. Hein. Téléphone sans fil, écran sans fil. J'ai fax, téléphone ici sans fil. On a la pointe de la technologie ici. Bon, je crois que je vais finir par faire une petite pause et revenir ce soir, moi. J'ai faim en plus. Je sais pas quoi bouffer. Je vais aller voir ce qu'il y a à bouffer, j'arrive. S'il y a des gens, vous les accueillez. Bon bah mon frigo il me fait de la peine, faut que j'aille faire des courses. Y'a plus air dedans. Un frigo. On est combien sur le serve là? Non, on est 30. Tchou. Heureusement que je suis en stream quand je reste au garage. Sinon je me materais une série. Au moins comme ça il aurait été ouvert toute la garage. C'est qui ce gars, PNJ là? Le vieux cops. Par contre, on n'a pas de supérette ici à côté, c'est dommage ça. C'est dommage ça. Il y en a une qui est là, mais. Il y en a une qui est là, mais elle est pas. On ne sait pas l'acheter, je crois. Il y a Will qui se balade. Il y a des recrutements qui vont réouvrir, s'il y en a qui sont chauds là dans le chat.
Faut deux groupes de petites frappes. Un groupe gang. Il y a encore 8 places et les speedy, 5 places EMS. Faut des avocats, procureurs, juges et des civils. Pourquoi tu viens pas rouvrir un Chihuahua, Xenia? Il n'y a pas encore de resto, il n'y a qu'une pizzeria dans la ville, je crois. Non, je sais pas, c'est l'annonce, je sais pas. Je vous lis l'annonce qui a été mise là. Pourquoi t'essayes pas de reprendre ta petite bande et d'ouvrir un Chihuahua ici, Xenia? Putain, Ah ouais. Bah si tu règles bien ton... Normalement, la TV derrière, tu dois l'entendre un minimum si tu règles le son correctement. Ou que tu mets un genre de pop-up dessus, là, tu vois. Parce que moi, par exemple, quand il y a la tondeuse qui fonctionne et tout, on n'entend pas, tu vois, dehors.